Salut, salut tout le monde, bienvenue. Il est des groupes qu'on appréhende de présenter tant la tâche semble immense. C'est le cas du présent groupe, excusez-moi, qui a été créé en 1991 par Jackie Beach, un groupe donc qui vient de Saint-Quentin et qui a connu différents line-up, 12 au total. En 1992, le line-up se constituait de Jedge à la guitare, Christian à la basse et de Jackie au chant. En 93-97, ce sera Christian qui sera à la basse, Jean-Christophe à la guitare, Jackie au chant et Gilles au violoncelle. En 99, le line-up évoluera une troisième fois avec Sébastien à la basse, Jocelyn à la guitare, Eliana au chant et Jackie au chant aussi. De 2000 à 2002, le line-up évolue encore une fois avec Nico à la guitare, Michael à la guitare aussi et Jackie au chant. De 2000 à 2004, on retrouvera Jean-Christophe à la basse, Julien à la guitare, Jackie au chant. De 2004 à 2005, on a une nouvelle évolution avec l'arrivée à la batterie de Charlie, Jean-Christophe à la basse, Julien à la guitare, Jackie au chant. De 2005 à juin 2007, on retrouvera donc Cathy à la basse, Chimé à la guitare, Jackie au chant. Et de juin 2007 à septembre 2007, il y aura Cathy à la basse, Chimé à la guitare, Jackie au chant et Vox à la guitare. Il faudra attendre octobre 2007 jusque novembre 2007 pour retrouver Jackie au chant, Alien Martin à la basse et Vox à la guitare. Décembre 2007 à 2013, on retrouve Jackie au chant, Alien Martin à la basse, Vox à la guitare, Charlie à la batterie. 2013 à 2015, le line-up évolue encore une fois, une avant-dernière fois, je dirais même. Jackie sera au chant, Christian à la basse, Vox à la guitare, Aurélien à la guitare, Charlie à la batterie. Et enfin, depuis septembre 2015, le line-up a évolué une dernière fois avec Jackie Beach au chant, Christian Neuville à la basse, Pascal Vox Carcel à la guitare et Rémi qui assure la partie guitare et clavier. C'est un groupe incontournable de la scène gothique rock, indus rock, batcave, death rock et post-punk. Une figure culte qu'est Jackie Beach du mouvement death rock français. Il est à la base de ce mouvement. Personne ne peut le contester. Il a fait les grandes heures de la Batcave par le biais de Neva. Et aujourd'hui, il fait les très grandes heures du mouvement Death Rock. Depuis 2 décennies, il influence les scènes avec son approche originale et mérite de compter parmi les figures les plus emblématiques de la scène européenne. Jackie Beach poursuit sa carrière sous son propre nom à partir de 1991, puisque Neva s'était arrêté en 1989. Il est à l'affiche des principaux festivals internationaux comme la VGT ou le Gothic Festival de Wargame. Il mêle théâtralité et improvisation dans ses spectacles pour les renouveler sans cesse et il a un langage à lui imaginaire qui permet justement de toucher plus facilement l'imaginaire de son public. Il s'est entouré de musiciens de différentes scènes, que ce soit gothique, death rock ou funk, et qui continue à l'accompagner ce jour. Il est produit par le label français Alone Prod, label qui s'occupe de son management et de son booking avec en collaboration avec l'agence allemande Mother Dance. Voilà, c'était ma petite présentation du groupe Jackie Beach, un groupe qui a fait les grandes heures du death rock français, qui les fait encore et qui les fera encore pendant un bon moment. Je vous laisse avec leurs prestations au niveau de la Dark Christmas et automatiquement, je vous dis à bientôt pour la discographie de ce groupe sublime au demeurant. Allez, salut, salut tout le monde.
We'll be right back.